Bienvenue au Nautique de Paris 2014, Porte de Versailles, et nous attaquons aujourd'hui le gros dossier du Nautique, c'est-à-dire le plus gros bateau jamais exposé au Salon Nautique de Paris, le CNB 76, avec à mes côtés Thomas Gailly, qui est le directeur commercial des chantiers CNB, basé à Bordeaux. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait venir un bateau de cette taille-là au Salon Nautique de Paris ? Oui, bonjour. C'est pas une aventure qu'on fait tous les jours. C'est un véritable challenge technique puisque c'est un bateau qui fait plus de 23 mètres, plus de 6 mètres de large. Donc c'est un convoi exceptionnel entre Bordeaux et Paris qui a mis plus de 7 jours. C'est le premier bateau qui rentre dans ce hall. Le hall est complètement vide quand il arrive, donc c'est du béton par terre. Et on a bloqué le périphérique de Paris, bien entendu, pour rentrer. Donc c'était en soi la première aventure. Mais bon, chez CNB, en général, on est habitué à ce genre de superlatif puisque c'est le plus grand bateau jamais exposé, mais c'est un des plus petits bateaux qu'on ait fabriqué, nous, au chantier à Bordeaux. Il faut rappeler donc CNB, alors il y a à la fois ce qu'on appelle les one-off et les semi-custom. Voilà, one-off comme une unité unique pour un client, c'est donc du custom pur. Ça c'est notre cœur de métier depuis plus de 25 ans, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Donc c'est des bateaux qui sont plus grands que celui-ci. On est sur des bateaux autour de 100 pieds, donc c'est des bateaux de plus de 30 mètres. À force d'expérience, de savoir-faire qu'on est développé autour de ces unités, d'innovation technologique, on a décidé de se lancer sur une gamme semi-custom. L'idée étant de prendre le meilleur de chacun de ces grands bateaux et d'en faire un bateau à la fois marin, esthétique, pratique, mais que ce soit notre propre modèle. À nous ensuite de travailler sur le process industriel pour proposer ce bateau à un prix plus compétitif qu'un bateau one-off. Allez là la démarche. Alors quelques points forts de ce bateau. Un bateau conçu un peu comme une maison. Alors comme une maison dans le sens oui où nos clients passe énormément de temps à bord. On est complètement indépendant, autonome sur un bateau comme celui-ci, en autonomie d'énergie, de gasoil, d'eau. Donc on a 2500 litres de gasoil par exemple, donc on peut faire des très grandes traversées quand on utilise le moteur, parce que sinon on a un gréement qui est censé nous porter. On a un très grand garage annexe, on a sous nos pieds toute la partie arrière du bateau est dédiée aux loisirs nautiques. Donc on a un grand garage annexe, on peut mettre une annexe de 3,85 m sur laquelle on peut faire du ski nautique et autres loisirs. On peut mettre des paddles à l'arrière, du matériel de plongée, etc. Ça fait partie des grands bateaux d'aujourd'hui. La zone de navigation propre à l'équipage, elle est vraiment à l'arrière, séparée de la zone invitée où on est, la zone guest, qui est plus séparée avec un accès privilégié vers l'intérieur du bateau sans gêner les personnes qui sont là. L'intérieur du bateau est conçu d'une manière un petit peu particulière, à savoir qu'on a un quartier équipage à l'arrière, avec la cuisine qui est très grande ici, avec un accès également par le cockpit, et la cabine équipage qui est sous nous, là-dessous, sous le pont. Et la partie propriétaire et guest est sur l'avant, donc c'est deux zones de vie séparées. C'est une carène performante. On a travaillé avec Philippe Briand, l'architecte naval, qui est connu pour ses dessins. Mais c'est avant tout un bateau de grande croisière. C'est un bateau pour aller loin. Là, vous êtes sur le CNB 76 numéro 4. C'est un bateau qui va aller en Turquie. Mais à l'heure où je vous parle, le numéro 1 et le numéro 2 sont en train de traverser l'Atlantique. Le numéro 1, c'est pour aller faire du charter location en Caraïbes pendant tout l'hiver. Et puis ensuite, il reviendra en Méditerranée. Le numéro 2, qui est un propriétaire belge, c'est le début de son tour du monde. Il est parti pour un tour du monde. Donc c'est un bateau à la fois familial, convivial, chaleureux, sportif, il réunit beaucoup de qualités. Quels sont ses points faibles ? Bonne question. Les points faibles, j'ai du mal à les définir, ça serait peut-être de dire que le bateau est grand, qu'il faut donc un équipage pour gérer ça, parce que c'est pas forcément pour la manœuvre, parce que les manœuvres, on les a rendues faciles. Un bateau de cette taille-là, ça demande de la maintenance. Quelles sont, par exemple, pour terminer, les petites innovations technologiques à bord ? Il y a beaucoup de petites innovations et de petites choses cachées qu'on voit et qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, par exemple, qui sont très importantes aux yeux d'un propriétaire, c'est l'insonorisation, l'isolation phonique. Il faut savoir que quand on fabrique un bateau custom, one-off, il est contractuel que dans chaque cabine, on ne doit pas dépasser un certain nombre de décibels. Voilà, ces choses-là, on les a reproduites sur un bateau semi-custom. Dernière question, donc ça reste un bateau de rêve, un bateau magique. Par définition, de toute façon, un bateau, on est vraiment dans le rêve, surtout dans la voile où c'est vraiment un domaine de passionnés. Donc les clients qui viennent nous voir ont ce rêve dans les yeux, ont l'ambition de le réaliser un jour. Donc c'est des projets qui se mènent sur le long terme. Et notre volonté tous les jours, c'est d'arriver à accompagner ce rêve, à la fois dans la définition du bateau, ensuite pendant la construction du bateau, ça c'est très important. Les propriétaires viennent plusieurs fois au chantier voir leur bateau naître. Et la mise à l'eau est un moment magique, la livraison et l'accompagnement derrière. Donc on organise par exemple chaque année des rendez-vous de propriétaires
en Méditerranée. Là, la dernière fois, on avait une vingtaine de bateaux où on continue à rêver ensemble. Ça nous permet d'avoir un retour d'expérience. Merci beaucoup Thomas Gailly et puis bon nautique de Paris. Voilà, on se retrouve sur l'une des animations de ce Nautique 2014, les fameux Runa. Alors pourquoi je dis fameux ? Car ce sont des bateaux qui sont exceptionnels, qui ont appartenu et qui appartiennent toujours à la famille d'Yves Carcel. Yves Carcel qui était le président de Louis Vuitton, malheureusement disparu. Et Yves Carcel avait une passion pour la voile incroyable. Et j'ai à mes côtés Yann Moffret, qui est le responsable et fondateur des chantiers du GIP. Vous avez restauré les deux bateaux, le Runa 6 sur lequel nous sommes et le Runa 4. Et vous êtes complètement passionné par l'histoire des Runas. Cette histoire, on l'a découvert quand Yves Carcel nous a envoyé son bateau de San Francisco. Le bateau est arrivé par conteneur. On a vu un bateau arriver, bien fatigué. Et puis en dehors des canons de l'histoire, en fait, on connaît beaucoup en France l'histoire des yachts anglais ou des yachts français, mais c'est un bateau danois. Et petit à petit, on est rentré dans l'histoire et c'est assez étonnant. C'est toute une série de 7 bateaux construits sur 30 ans, dessinés par la même personne, Gerhard Rønne, construits par le même chantier au Danemark. Et quelque part, ce qui était intéressant, c'était que ces bateaux sont construits sont de la même taille et font l'évolution de l'histoire du yachting sur 30 ans. C'est un petit peu une bibliothèque navigante de l'histoire du yachting, des belles années du yachting. Donc ce ne sont pas des très grands bateaux, vous l'avez évoqué. Petite taille, mais on va dire des petits bijoux. Oui, petite taille, c'est intéressant, c'est-à-dire que à la fois la beauté et l'intérêt culturel d'un bateau, l'intérêt historique et sa place dans l'histoire de la plaisance n'est pas lié à sa taille. C'est pas obligatoirement un grand yacht de Saint-Tropez qui fait que le bateau est intéressant. Là, ce qui est passionnant, c'est l'histoire dont je vous ai parlé des 7 bateaux et puis l'aboutissement aussi technique. Le bateau est très spécifique pour construire en Baltique avec des choix de bois étonnants. Faut penser que chaque forme du bateau, vous voyez, chaque coupe était faite dans une branche d'arbre qui allait du pied de quille jusqu'en tête. Donc il fallait aller en forêt, trouver toutes les formes. Enfin, il y a des moments qui sont super et tout un savoir très spécifique. Alors Yves Carcel était vraiment passionné par cette restauration. Je crois qu'il est venu souvent vous voir, suivre un peu le développement de la restauration de ces bateaux. Oui, on dit le président de Louis Vuitton bien sûr, mais évidemment, c'était un homme de métier, c'était un homme qui aimait les métiers, qui aimait les belles choses. Et de ce côté-là, il avait un œil, on pourrait dire, de mécène. C'est-à-dire que son regard était vers la qualité, vers l'histoire et le respect du bateau. Donc c'était un rapport très intéressant. Et il a su, malgré que c'était un monde qu'il découvrait, il a su arbitrer les choix, à chaque fois les choix avec beaucoup de justesse, vers l'authenticité et l'histoire. Alors ces bateaux peuvent naviguer dans toutes les conditions de mer, ils sont capables d'encaisser les chocs ? Bon bah c'est des bateaux faits pour naviguer en mer, après c'est pas des bateaux pour prendre un force 10 bien sûr, mais c'est des bateaux qui sont sûrs, c'est des bateaux qui sont solides, c'est des bateaux... Par exemple, ce Runa 6 a gagné la régate d'automne du Yacht Club de France, Cannes Saint-Tropez, il y avait eu un orage à 45 nœuds et c'est nous qui avons gagné. Alors il y a certains secteurs en France dont on dit qu'on a du mal à trouver une main d'œuvre qualifiée. Est-ce que dans votre domaine, celui des charpentiers de marine, des chantiers navals, vous avez la main d'œuvre qualifiée sans problème ? Une main d'œuvre qualifiée, c'est jamais sans problème. C'est-à-dire il faut du temps, il faut des centres de formation. Bon, il y a des centres de formation en Bretagne, en Normandie, dans le Midi. On peut former, on a recréé avec l'éducation nationale un diplôme post-CAP en 2 ans qui s'appelle un BP qui se fait un apprentissage. Donc il y a moyen de former des jeunes. Et nous, on est très volontaires, on forme tous les ans, on a 1 ou 2 jeunes en apprentissage qui après restent au chantier ou vont enrichir le métier ici ou là. Donc la formation existe, on trouve... Je dirais pas facilement, on ne trouve pas facilement, mais on trouve des jeunes, évidemment. On trouve plus facilement des jeunes qui ne sont pas formés, donc nous, avec la volonté de les former, que des jeunes qui ont déjà fait leur chemin. Mais c'est un métier qui est ouvert, c'est un métier où on peut trouver du travail, et c'est un métier où il y a une formation qui est construite. Et c'est surtout un métier de passion. C'est un métier de passion, parce que vous allez rêver en voyant un bateau comme ça, mais c'est un métier où chaque jour, il faut beaucoup de pugnacité, beaucoup de détermination. C'est construit à force de détails, à force d'efforts. Ne jamais lâcher. Donc, c'est un beau métier, mais qui demande beaucoup. Merci Yann Moffret. Et puis, bravo pour votre passion. Et on se retrouve très vite pour la suite du Nautique 2014.